Pour Sans Scène, c'est notre première édition d'un festival en fait gratuit, festival sur la baie de Mémard, donc au Grand Port, et on l'a co-organisé avec Ex-Riviera des Alpes. C'était important pour nous, ils sont partenaires de l'Office de Tourisme, ils sont venus taper à notre porte un beau matin en nous disant on veut organiser un festival de rock, et nous on les a conseillés, on les a accompagnés, tant sur l'organisation que la sécurité, un point important, toute la partie sanitaire, on a installé un testodrome ce soir, et puis ces deux frères qui sont passionnés, passionnants, et nous on était ravis de bosser avec eux. Super, il y a une bonne ambiance, il fait beau, il fait chaud, il y a la bière, donc tout ce qu'il faut pour s'amuser. Il y a de la bière, il y a de la musique, c'est plutôt cool. Bonne ambiance, beau temps, bonne bière, bonne bouffe. Ça fait du bien, ouais, parce que ça fait un beau temps malheureusement avec le Covid qu'on n'a pas pu profiter de ce genre d'ambiance et ce genre de choses, donc ouais, c'est cool. Honnêtement, je connaissais pas du tout la programmation ni rien, donc je savais pas du tout ce qui allait se passer. Mais là, l'ambiance est cool, donc c'est très agréable. Alors, à partir de maintenant, on va avoir Zélu Song and the Porter, on va avoir derrière T'inquiète la guinguette, et on finira par Blackstage. Donc, c'est un groupe, des groupes un peu ambiance rock. On a plusieurs fois été joué pour la brasserie Caco, pour Antoine et son frère, et tout le temps, c'est de plus en plus gros. Et ils mettent tout en œuvre pour que ça soit toujours plus gros et toujours plus bien foutu en fait. Je suis hyper familier, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment super bien branlé et ça fait super plaisir de venir jouer là, et tout ce qui est food truck, le son, la scène, tout est vraiment bien jusqu'à la fin, c'est le top. C'est vraiment, voilà, ça fait du bien de revoir des gens et un peu de bonheur quoi, voilà, de la musique qui se transmet. Qui réchauffe les cœurs et qui nous a bien réchauffé aussi. Hein. Il faisait surtout très chaud, effectivement, c'était très chaud, mais il y a une bonne énergie, un public réceptif et franchement l'accueil, ouais, c'est vrai la brasserie, tout ce qui se passe, le festival, c'était vraiment très très bien et ils nous ont fait confiance et c'est cool et on a bien envoyé. Ah ouais, de retrouver, et puis rien que de voir une scène, juste une scène, rien que ça avec des gens, c'est vraiment trop cool et on sent que les gens se font plaisir, quoi, c'est cool. Le fait de rejouer comme ça sur des scènes, ça va faire un moment qu'on en a parfait et franchement, le plaisir était là, c'était vraiment top. On est ravis d'avoir le beau temps aujourd'hui, de pouvoir profiter et la saison n'est pas terminée, donc on est ravis de ce soir de pouvoir, tout le monde avait un peu des fourmis dans les jambes et de pouvoir s'éclater ce soir.